Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai écouté, comme c'est marqué dans le titre, j'ai écouté ce que vous m'avez dit il y a quelques mois, j'ai réfléchi. Et pour ceux, il y en a peut-être certains qui s'en doutent, mais voilà. À partir de janvier, comme je vous ai dit, il y aura plein de changements. Mais un des changements que je vous tease comme ça et que je vous donne en avant-première, le 1er décembre, comme ça, sans raison, juste pour le plaisir de vous donner des infos, parce que j'en ai envie, il va y avoir une deuxième chaîne qui va ouvrir. Alors pourquoi une deuxième chaîne? Tout simplement pour y mettre plusieurs choses. Il y aura les vidéos gaming. Oui, c'est ça la nouvelle que vous attendiez tous, c'est d'arrêter de polluer avec le gaming. J'ai dit non pendant longtemps et maintenant je vous dis ok, on va séparer ça. Donc tous ceux qui aiment le gaming, mais pas que, écoutez bien tout ce qu'il y aura sur cette chaîne. Il n'y a pas que du gaming. Il y aura du gaming. Il y aura des rediffusions de live Twitch. Parce qu'en 2020, il y aura des live Twitch. Je vais m'amuser avec le fond vert, je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps, enfin des lives sur Twitch. Et toutes les rediffusions seront disponibles sur cette chaîne YouTube. Et enfin, pour terminer, la dernière chose qu'il y aura sûrement, alors ça, c'est pas encore sûr à 100%, on va dire à 90%, c'est que toutes les rediffusions de live seront disponibles sur cette chaîne. C'est-à-dire que les rediffusions de live en temps normal, enfin, depuis la rentrée de septembre, normalement, vous voyez, elles figurent dans les vidéos tout le mois. Enfin, par exemple, au mois d'octobre, tous les lives qui sont faits pendant octobre sont visibles quand vous cliquez sur vidéo. Et après, dès qu'on arrive en novembre, je les passe en non répertorié. Ils sont toujours accessibles depuis la playlist live 2018-2019, enfin plutôt 2019-2020, mais ils sont plus visibles, etc. C'est pour fluidifier, on va dire, enfin pas fluidifier le trafic ou fluidifier l'image, mais c'est pour pas qu'ils figurent et qu'il y aura plus que des vidéos de qualité à partir de janvier, ou du moins on va essayer de faire tout pour. Donc tout ce qui va être rediffusion, bêtisier, enfin plein de choses comme ça, plein de petites vidéos, on va dire, un peu moins montées pour le coup, ça va être un peu à la Bazar du Grenier, quoi. Vous avez Georges du Grenier, bon, j'ai pas du tout la qualité de ses vidéos, loin de là, mais vous voyez, Bazar du Grenier, il met plus de choses, un peu plus de contenu diversifié, etc. Bah là, ça va être pareil, ça va être sur la chaîne principale, il y aura que des vidéos montées, travaillées, etc. Et sur la chaîne secondaire, il y aura des vidéos gaming, des rediffusions de live YouTube, des rediffusions de live Twitch, des best-of, des bêtisiers, des vidéos un peu hors sujet, ou parfois d'autres trucs sur lesquels j'ai pas trop envie de m'expérimenter sur la chaîne principale, donc voilà. C'est une petite news que je vous donne en avant-première, donc la chaîne est déjà créée depuis très longtemps, donc je l'ai juste renommée, rééditée, etc. Elle sera effective et active à partir du 1er janvier 2020. 1er janvier 2020, il y a la première vidéo qui pop, et ensuite il y aura toutes les vidéos qui vont pop les unes après les autres. Donc déjà, dans un premier temps, sûrement pendant le mois de janvier, toutes les vidéos gaming qui ont été publiées sur la chaîne Lucas et Claire vont être republiées sur cette chaîne. Donc vous allez sûrement vous revoir plein de notifications ou de notifications par rapport à tout ça. Donc si jamais vous voulez revoir les vidéos gaming, c'est l'occasion. C'est l'occasion de recommencer comme on recommence une série, ou de commencer si vous les avez jamais regardées. Et ensuite, une fois que tout ça sera terminé, bah, les rediffusions de live Twitch, de live YouTube, de live gaming, de live en tout genre vont être effectuées. C'est-à-dire dès que je finirai un live, il sera republié sur cette chaîne. Et à long terme, donc peut-être à la fin de l'année 2020, donc je suis encore trop dans le turfu, mais c'est pas grave. Turfu, ça fait longtemps que cette expression n'avait pas été utilisée. je me fais des blagues comme ça avec la répartie tout seul, c'est fou ça. Mais sinon, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que à la fin 2020, je pense qu'il n'y aura plus de rediffusion disponible sur la chaîne principale, ou au fur et à mesure de l'année, peut-être juste à la fin de l'année scolaire. Les rediffusions, je vous ai dit, elles sont disponibles pendant un court moment sur la chaîne, et après je les enlève. Là, peut-être que les lives seront faits tels quels, et ils seront inaccessibles depuis la chaîne principale, il faudra aller sur la chaîne secondaire. Donc voilà, c'était la petite news du jour que je voulais vous donner en ce 1er décembre pour attaquer le mois de décembre avant les vacances. Donc vraiment, courage à tous pour les dernières semaines qui restent. Après, c'est les vacances et après, c'est début janvier. Prenez de nouvelles résolutions pour cette année 2020. Moi, j'en prends de mon côté, que ce soit pour YouTube, pour l'école ou pour tout ce que vous voulez. Il faut vraiment en prendre et on essaiera comme d'habitude de les tenir, même si souvent on les tient pas. Mais j'espère au moins tenir celle avec YouTube, comme je m'étais dit, pour celle de 365 vidéos en un an. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.